Link start. Et donc bonjour les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc c'est parti, on se retrouve pour le nouvel épisode de Sword Art Online. Allez, ici, si on voit Off Underworld. Et donc l'épisode numéro 9, tout simplement, de ce troisième arc de l'anime. Et donc cette deuxième partie de la saison 3. Et donc c'est parti, sans plus tarder, je vais lancer l'épisode. J'ai essayé de remettre un peu tout comme c'était avant, avec mon fameux regardons sur Ascal. Et je vais aussi essayer un nouveau système au niveau du son, et je vais voir si c'est bien ou non. Enfin bref, c'est parti là, depuis le temps que j'attends de voir cet épisode. Là, je suis enfin rentré du travail et tout, donc je me suis jeté sur l'ordi et c'est parti là. Parce que si c'est passé dans le dernier épisode là, il fallait que je rentre pour voir cet épisode. C'est bon, vous voyez bien les sous-titres. Allez là, c'est parti. Ah ouais, avec Eldri du coup qui est mort malheureusement. Horrible, hein. Et Gabriel qui voit enfin Alice. Mon Dieu. Putain. Horrible, quoi. Le pire, c'est que maintenant, il s'en bat les steaks de la mission. Hein. À la base, il doit récupérer le Light Cube pour le ramener au mec, aux États-Unis. Mais on a plus rien à foutre hein, maintenant. Maintenant, il veut juste bouffer l'âme d'Alice et tout. Hein. Il s'en fout de la récupérer vivante et tout. Il s'en fout. Hein. Il veut juste la bouffer. C'est tout ce qu'il veut. Allez, c'est parti. D'épée et de poing. Donc de poing, je pense qu'il parle des fameux mecs qui donnent des coups de poing, là, de la Dark Territory. Et d'épée, ben, de nos amis, je pense. Wouah. Énormément, tu m'étonnes. Putain, mais du coup, ça veut dire qu'ils vont vraiment tout envoyer, quoi. Apparemment, ça c'est génial. Il reste plus que les chevaliers de l'ombre et les mecs qui foutent des coups de poing, quoi. Ouais. Ah, il parle du fameux mec qui s'est fait buter, justement. Qui voulait se rebeller. Merde, putain. Ah, Renri. Ah putain, ah je le sens pas, hein. Je crois qu'il va encore avoir des morts, hein. C'est clair. Hein. Ah. Ah, elle a gardé le fouet hein, de Eldri. Hein. Ah, ça y est. Ils attaquent avec la dernière armée. Ah oui. Ah,
Ah putain, ils utilisent la fameuse volonté hein, qui existe dans l'Underworld. Et ça risque d'être chaud du coup. Quoi? C'est l'autre chevalier d'intégrité là. Oui, voilà, c'est elle. Mais qui es-tu? On va peut-être le découvrir maintenant. What the fuck, quoi. Ah. Ils sont bizarres quand même, ceux-là de la Dark Territory. Hein. Super. Mais c'est qui elle, putain? What? À chaque fois, il regarde à côté. Qu'est-ce qu'elle nous réserve? Oh, une rapière? Ouais. Oh putain. Oh putain, comme elle est fine! Elle va se faire défoncer. Oh! What? La lame? Oh putain. Putain, ça y est, c'est un épisode un peu comme Renry, quoi. C'est comme Renry, quoi. Wow, ah ouais. Et c'est ça qui lui a donné sa lame. Ouais. Voilà. Waouh. Ta Queen est la créatrice d'armes. Cette fameuse lame. Ah oui, la forme de la fleur. Ah, et la forme physique. Gravée. Tu m'étonnes maintenant qu'elle tranche tout le monde. Oh là là, mais elle va les massacrer. Elle va tous les massacrer. Elle va tous les trancher. Oh putain. Ça va être un carnage. Oh putain. Ouais, elle est hyper calme et... C'est... Comme dans du beurre. C'est exactement ça, c'est comme dans du beurre. Oh là là, mais il reste les chevaliers de Loire. Il reste les chevaliers noirs et j'ai peur que Pau soit avec. Parce que si Pau est avec les chevaliers noirs, il y a aussi les assassins en vrai. Hein. Les assassins en vrai, on les a pas vus, hein. On sait pas où ils sont eux. Et je les sens pas, hein, les assassins. Hein. Ouais, donc il y a un peu de force.
Ah, mais j'ai peur. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va se faire défoncer, Renry. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais. C'est Po. Ah, tu m'étonnes, hein, le chef des Love in Coffin. Les assassinats, il s'y connaît. Hein. Il s'y connaît, les assassinats, Po. Hein. Oh putain. Ah bah ouais! Oh putain! Regarde-moi ça, putain! Il les bute tous! 5 à terre! Et pendant ce temps, ici c'est l'inverse, c'est elle qui défonce tout le monde. Oh putain, bah lui il va se faire déglinguer. Chef ou pas chef, Waouh, il fait mal quand même, hein. Oh putain. Oh putain. Après tu me diras, le titre porte vraiment bien son nom, hein. D'épée et de poing. Waouh, elle prend cher, hein. Mais je crois que lui, Ah. Elle les a pas tués. Elle les a pas tués. Elle les a juste blessés. What the fuck? Ok. D'accord, très bien. Mais bon. Elle a pas utilisé son Enchant Armament. Elle a pas utilisé son Relash Recollection. Hein. Là, elle prend cher, mais. Ah, elle a tranché, hein. Mais mec, quand elle va utiliser. Waouh. Elle a plus d'armure, quoi. Mais quand elle va utiliser ses capacités, tu vas rien comprendre, hein. Bah, si elle balance toutes ses forces, elle va te massacrer, quoi. C'est ça qu'il comprend pas, en fait. Elle est trop bizarre!
Ah. Oh. Oh. Attention, rigole plus. Là, elle va utiliser, là. Elle va utiliser son rehash collection, là. Attention, ça va partir. Putain, fais pas chier, toi. Ah ouais. Ouais, bah oui. Mais c'est ça qui est sympa, c'est que tu vois que les deux, ils cherchaient de puissants adversaires. Les deux, ils cherchaient un adversaire puissant, et donc là, ils s'amusent en fait, tu vois. Genre, ils sont contents de trouver quelqu'un de puissant. What? Comment ça? What the fuck? Voilà. Comme ça. Putain, il a fait que l'insulter, quoi. Cheta, la numéro 20. Et là, par contre, ça craint les gens, parce que vous savez qui se trouve. Vous savez qui se trouve. Il va tomber sur Kirito. Il va tomber sur Kirito. Non, Ronnie. Non. Non, Ronnie. Non, pitié, Ronnie. Non, Ronnie. Non. Oh putain, oui! Il va tomber sur Kirito! Oh putain, voilà. Putain, s'il tombe sur Kirito, il va tomber dessus, je sens. Oh. T'as Asuna, faut qu'elle vienne. Faut qu'elle vienne, Asuna. Elle va venir, c'est obligé. Pas dans cet épisode, mais dans le prochain, je le sens. Asuna, pitié. Oui.
épisode 9. Oh, ouais, oh putain. Oui, Kirito, il va être sauvé. Oh, putain, c'est trop cool! Oui! Enfin! Je suis sûr, à tout le monde qui a vu cet épisode, il est devenu fou, putain! Ça y est! Oh là là, les gens, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi? Allez voir la vidéo que j'ai fait sur ma chaîne. C'est... Oh, putain! Yes! Putain, Asuna qui débarque! Alors qu'il y a Po qui était là, qui était à deux doigts de tuer Ronnie. Po qui était là, qui était à deux doigts de trouver Kirito. Et t'as Asuna qui débarque, qui défonce tout le monde avec ses pouvoirs magiques et tout, qui fait tomber Po dans un trou éternel. Et t'as Po qui est en mode, non, l'éclair de la confrérie des chevaliers, oui. Oh putain les gens, alors là, en plus, le pire dans tout ça, c'est que ma théorie, elle va être juste, c'est ça le pire. C'est ça le pire dans tout ça, c'est qu'au final, ma théorie, mon pari, c'est pas une théorie, c'est un pari que j'ai fait. Ça va être juste. Ça va être totalement juste. Cette vidéo-là, les gens, attendez, je vais vous montrer, parce que là, faut... Voilà. Vous allez voir cette vidéo, je vous en parle et tout à chaque fois, mais... Voilà, c'est incroyable, c'est trop bien. Alors, attendez. Voilà, cette vidéo ici, là. Débat SAO, qui est sorti il y a 3 mois sur la chaîne, voilà. Donc, vous descendez un tout petit peu, c'est juste ici. Débat SAO, et dans cette vidéo là, donc c'est une vidéo qu'on a fait avec Maître Otaku et qu'on a fait avec Solargent. Dans cette vidéo là, il y a Xavier, donc Maître Otaku, qui pose la question: quand pensez-vous, pendant combien d'épisodes vous pensez que Kirito va être légume? Il pose la question: combien d'épisodes Kirito va être légume? Et moi, dans cette vidéo là, je dis quoi? Je dis 10, dans épisode 10, épisode 11. Je dis clairement, pour moi, Kirito, il va être légume jusqu'à l'épisode 10-11. Allez voir la vidéo, je dis clairement ça. Et là, voir ça, épisode 9, ça veut clairement dire que épisode 10-11, il va être de retour. Je pense, on croise tous tes doigts, mais il va être de retour. Et si c'est le cas, déjà, là, ça serait magnifique. De 1, ça serait magnifique. Et de 2, je serais hyper content parce que ça sera moi qui aurais gagné. Et ben, voilà quoi. voilà, j'ai ce pari. C'est moi qui aurais gagné ce pari, quoi. J'ai parié épisode 10, 11. Et si ça arrive vraiment, on pourra dire que je suis aussi un oracle comme Kabuto. Enfin, voilà. Du coup, les gens, mais merci à vous d'avoir cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Putain de merde, hein. Le dernier épisode là qui avait eu, l'épisode 8, était dingue. Mais là, cette fin d'épisode 9, on l'attendait tous. Et elle est magnifique, elle est sublime. Allez les gens, très bonne journée à vous, très bonne soirée. Et à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Et samedi prochain pour un nouveau Regardons, et donc dimanche. Allez, à plus.